Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure pour regarder la vidéo ça. Et j'aime tout dire, c'est toujours un plaisir pour me partager ça avec vous tout ce qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même si vous trouvez ça. Et pas oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postons sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous-même qui va faire ça Kounia la même parce que nous sommes intelligents. Ou pas oublier de perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. C'est sous rencontre que nous avons fait avec la délégation canadienne de haut niveau qui est en Haïti jusqu'à présent. Et deuxièmement, sur le document que nous venons de compromis historique, à commencer par aborder le premier point, qui c'est rencontre avec la délégation canadienne de haut niveau. Je veux toujours dire, nous-mêmes, au niveau de Haïti en action, nous toujours rencontrons tout le monde, que ce soit la communauté internationale là, ou notre pays là, parce que nous pensons que, je dis à la communauté internationale là, nous avons dit peut-être malheureusement, mais nous avons un rôle extrêmement important que nous jouons dans le pays Sahara, et nous-mêmes, comme responsables, il faut nous garder au gêne et nous parler avec eux. Pour nous dire exactement les revendications populaires et qui ça que le pays a, qui ça que le pays a, et même la atteinte de eux. Et nous te remettons en aide-mémoire et également en plan sous question de l'assistance que la planète a. Et nous te remettons de façon à ce qu'on soit au courant exactement de qui ça nous-mêmes, nous voulons pour le pays. Nous. Premier point, alors délégation canadienne, ça, il y a environ 5 personnes qui étaient là-dedans, plus ambassadeur canadien qui est en Haïti. Il y a M. Daniel Jean, chef de délégation, qui est représentant vice-ministre des Affaires étrangères du Canada. Il y a M. Ulrich Chalon, qui est directeur général du programme stabilisation et opération de paix au niveau mondial. Le général Éric Laforêt, qui est directeur général opération, état-major interarmé au niveau du Canada. Il y a Ben Salgado, qui est directeur général régional concernant la gendarmerie royale du Canada. Il y a M. Mathieu Kimmel, qui est directeur politique des affaires humanitaires au niveau mondial également pour le Canada. Et il y a un ambassadeur canadien en Haïti. Qui lui-même il est présent dans le comme ça. Premier point que nous avons abordé, avec M. le dédié de nous, c'est la question de sécurité. On aime toujours parler de question de sécurité. Je vais expliquer pour qui ça que nous ne pouvons pas parler d'intervention, pour qui ça nous parle d'intervention, pour qui ça c'est une assistance technique que nous demandons. À la police et aux forces armées haïtiennes. Martino, décision que moi-même, comme politique, moi, je prends, c'est une décision qui ne peut pas mettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà une intervention qui était faite avant nous, nous venons mettre en 94, nous obligés qu'on y a à gérer tout ça qui est passé mal dans l'intervention. Qui fait que si nous prenons une décision, nous prenons une décision qui pour faire que l'autre génération ne pas vivre dans le même problème. Ça. Et c'est peut-être ça que nous disons, qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces armées d'Haïti. Comment pour l'assistance manifester, nous allons dans les détails. Nous avons parlé de détails, nous avons regardé le général la forêt générale pour nous dire, mais qui ça exactement que nous avons. Premièrement, ça pour Canada fait pour nous, première assistance, c'est porter reste matériel pour nous dans le même avion de l'armée canadienne. Parce que nous connaissons des subventions de transport pour nous, mais nous avons porté 3 blindés MRA. Et blindés, ça nous oblige à faire travail là-dedans, c'est qu'on ira au bon. Hein? Après 15 jours, nous avons obligé à faire travail là-dedans. Donc nous demandons porter matériel pour nous, reste 15 blindés, et porter au fini. Tout fini. Puisque le Canada a gagné caoutchouc qui blindé, il y a protection de radiateurs, tout ça qui est manqué.
nous pensons que si au côté premier matériel ça nous vient avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous en position que unité tactique anti-gamio que le directeur général a formé, que on va les matériels pour nous commencer à avancer et commencer à planifier les pensions. Donc, c'est le premier bagage que je dis. Ils sont conscients de ça, quoique ils sont une privée canadienne, ce n'est pas l'État canadien, mais je vais aller là, nous obligés de mettre une bouche pour que nous jouions le reste instantané et reste matériel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous pensons que, avec l'occupation des zones métropolitaines, eh bien, l'unité tactique anti-gamnois, les guerres ont effectif qui va suffire. Et que eux-mêmes, au niveau de force l'armée et de gendarmerie, il y a des unités qui sont complémentées pour que nous avons une force conjointe avec Haïti, qui ont même fait opération plusieurs côtés à la fois, mais toujours avec UTAC, unité anti-gang que nous formons, qui a pas d'accompagnement, et le SAA, moi pense que l'opération a fait avec leadership police noire, mais avec accompagnement qui va permettre que nous déployions trois ou quatre côtés à la fois, parce qu'il faut libérer tous ces espaces, que ce soit Matissan, que ce soit le Bouquet, que ce soit Peigné, que ce soit la Boule, il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible. Troisième façon, c'est que immédiatement que l'opération sera faite, il faut la formation pour que l'unité tactique anti-gamouille ait une capacité pour que désormais ils répondent à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que c'est un bagage qui est possible, puisque ils ont gagné expertise là, et en même temps, sur le terrain, l'unité tactique noire prend expertise là. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, pas oublier, l'armée a les présents tout. Et l'armée, il faut toujours en appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour qu'il y ait un appui à la police, il faut l'équiper. Leur unité tactique anti-gamnan fait opération, il faut les unités en général de l'armée qui peuvent aider en cas que y ait un problème. Donc, si ce général était l'arme qu'il a lui-même, lui voulait vraiment assister, eh bien, nous avons dit Haïti, il faut que l'unité soit formée pendant que l'unité tactique anti-gamnan est souterraine. Et puisque nous avons environ 1200 officiers et soldats qui forment soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi je pense effectif là déjà là, il faut simplement mettre ces unités en œuvre pour aider la police là, le que vous voulez. Et le SAA, institution panouille, a qu'à arriver justement fait travail là après un temps et après que il a pris responsabilité au niveau technique. Et dernier point que nous soulevons sur la question humanitaire, immédiatement que justement les zones sont libérées, c'est ces unités qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires de religieux qui ont même qui pour faire distribution dans un an. Il ne faut pas rentrer dans ce qui est pour passer autrefois pour que vous quittez la distribution à des anciens chefs de gang qui ont même venu encore prendre force dans un an. Je devrais s'en déjà passé à l'organisation brésilienne de la Rio qui lui-même a promouvoir ça et ça n'a pas pour nous. Donc le Sahara, il faut être sûr que la question humanitaire là, c'est le peuple là qui la joigne, ce n'est pas justement bandit pour la joigne. Qui fait que dans la situation ça, nous avons éclairci 5 points saillants, la question des matériels, hein, la question du renforcement de l'État, la question de la formation, la question des engins lourds pour les forces armées haïtiennes et la question humanitaire, j'ai pu faire distribution et intervenu dans ce zone côté qui est problème pour que ce n'est pas encore donné que vous promouvoir. Mais déjà, c'est une expérience dans le passé. Et le Sahara, unité Sahara, qui a aidé l'unité de la police là, une fois que le travail est fini, eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'unité.
qui ont des experts en formation limitée, mais le SAA, assistance là, mais limitée dans le temps qui permet que nous avancions. Tout ceci, nous avons dit, nous avons parlé technique. Mais cependant, tout ça, avant le fait, faut que nous gagnions gouvernance là. Parce que si on gagne assistance qui vient là, sous forme d'aide à la police ou à l'armée, et bon, on connaît ça qui a passé, le gouvernement, ça a là, qui a pensé, dans la tête, c'est renforcé ou renforcé. Ah oui, il faut qu'il y ait ce compromis. Parce que yo même yo pas venir assister pour consolider le gouvernement. Yo veut venir assister pour aider le peuple haïtien. Contre le problème que nous avons là, mais ce n'est pas pour le gouvernement. Et c'est peut-être ça que nous disons nous-mêmes, mon dépassement que nous faisons, nous-mêmes qui sommes toujours dans l'opposition, qui sommes campés, nous disons mon dépassement que nous faisons pour nous faire appel à un compromis ISO. Et compromis ça, c'est un compromis côté que. Il faut nous parler à la société. Hein. Parce que dans le pays, chaque monde a une proposition qu'il a fait. Les propositions solution pas bon, et en fin de compte, il n'y a pas la solution haïtienne. Nous lançons un appel à ce compromis ISO. Le compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes dans peine, avec le secteur politique. Mais pas oublier, il n'y a pas le secteur politique là qui est société. Hein. Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique là, eh bien, nous parlons, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Non. Dans le compromis, ça faut tout le secteur sous table là. Il faut le secteur politique là, que nous commençons par la même, dans cet appel là. Il faut nous parler avec syndicats. Avec syndicats. Il faut nous parler avec le secteur privé. Il faut nous parler avec l'université. Il faut nous parler également avec. Secteur de basio, mais il faut nous parler avec les gens qui ont petit et moyen de l'ouvrir. Agriculteurs, businessmen, qui n'ont pas un problème. Malheureusement, il y a un peu de la politique là. Il n'y a pas de poule dans le pays, il y a un peu de parler. Mais il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur dans le business là. Il n'y a pas de douleur dans le monde. Et c'est peut-être ça, la politique là, seulement pas capable de. Il faut y parler parce que c'est eux qui investissent dans le pays. C'est eux qui ont bloqué, c'est eux qui ont des problèmes. Donc il faut avoir un mot pour eux dire tout. Et moi, je pense que le compte ça, il n'y a pas de trop long. Il y a de rapide pour la société à dégager justement la solution. Ça. Et nous-mêmes, dans Haïti en Action, nous dit, quelle que soit la solution que la société a dégagée depuis les majoritaires, nous allons combattre. Position nous toujours claire, nous-mêmes nous allons en Ariel. Nous allons au gouvernement Ariel, nous pensons que Ariel échoué. Nous pensons que Ariel doit aller, c'est la position de l'Ariel. Mais si une position majoritaire qui sortit, que toute société a d'accord avec elle, nous ne devons pas suivre, nous ne devons pas le gouvernement. Nous devons arrêter notre position, même pas pour combattre. Parce que je dis à la société à tout, si je veux nos solutions, il faut l'avancer. Parce que je dis, il y a plein de monde qui vivait dans le pays, qui a une situation extrêmement difficile. Et nous tenons compte de eux, surtout de majorité silencieuse. Et c'est peut-être ça nous dit. Tout secteur ça veut que nous parlions de vous parler. Mais il faut répondre, pas aux responsabilités. Il faut venir pour y entendre pour que vous dégagez la position. Et position ça. La position majoritaire, pas gain aucun blanc qui a dit que c'est ma solution haïtienne. Pas aucun blanc qui a dit. Et moi-même, moi dire, quelle que soit position, dès que mon position majoritaire n'a soumettre, parce que c'est la démocratie, c'est pas l'élection, c'est le consensus de la société que nous rejoignons. Il faut nous parler pour nous arriver, parler avec tout le monde, les droits humains, le secteur privé, pour que mon solution majoritaire qui sortit. Solution ça. La campagne on nous dit voici la solution haïtienne. Ami. Donc nous demandons tout acteur, ils font sacrifice, font dépassement.
pour ce compromis historique. Beaucoup plus nous arriver dans la solution haïtienne, côté nous mêmes blancs, nous pas faire interférence là-dedans. Tendez, ça l'a dit, gardez, ça l'a fait, quittez nos grands responsabilités. Mais on a besoin d'assistance là, qui pour aider la sortie. Assistance technique là, de parler de nous. Assistance économique là, tout, puisque le pays a terre. N'importe qui autre gouvernement qui est là, on va regarder quelle survie. Donc c'est pour être ça, nous dit, si nous avons possibilité de solution, on a besoin d'assistance pour que nous sortir de là. Parce que j'aime toujours dire, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide qui était votée pour nous dans l'intervention en 2014, l'aide nous à rester dans l'assistance là. Nous parlons ça. Il faut que si nous avons aide aujourd'hui, dans 25 ans, nous ne pouvons pas recommencer dans ça encore. Et c'est peut-être ça, nous te garder. Délégation, j'ai pour nous dire, je te comprends. Écoutez, dis-nous que nous-mêmes, c'est dans l'île Zakurier, nous espérons et nous continuons à prendre la vie, nous continuons à prendre la vie pour que nous jouions une solution à ici. Voilà en gros ce que vous voulez présenter comme point à conférence jeudi. Et que des messages. Ça, c'était au niveau de la délégation. Donc, vous obligez de rester attaché à la parole que vous dites hier là, pendant que vous-même vous avez. Oui, qu'est-ce qui concerne, est-ce que le Canada envisage au déploiement, est-ce qu'il envisage une assistance, même pour parler de la nature, Que n'importe ça, il y a des cas passés, mais hier, les ovinis, il y a des rencontres, donc il y a des gardés qui meilleure forme. Et nous-mêmes, surtout, il y a des gardés qui parlent d'intervention. Là, nous avons parlé d'assistance, il y a des demandés exactement quels sont les points qui gagnent en dentition assistance technique. Et moi, je vous prends pour vous. Premièrement, je vais vous faire ce matériel là à la police. Deuxièmement, il faut compléter UTAC là, et c'est l'unité tactique antigone. Troisièmement, formation pour que après opération, UTAC là, il y ait effectif suffisant. Les unités Angelou ou l'armée et la question humanitaire qui doit être distribuée par l'accompagnement de la police, mais avec des organisations notables dans la communauté pour que ce soit chef d'un qui distribue. Sénateur, vous savez qu'on a ouvert l'école. Nous-mêmes, derrière ces produits, l'école nous y est qui fait l'école. Le gouvernement peut prendre disposition pour ouvrir l'école. Puisque le gouvernement est incapable, nous cherchons une solution pour l'autre gouvernement qui a ouvert l'école le plus rapidement possible. Voilà, c'était tout le temps de déposer pour la vidéo aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier, si vous êtes abonné ensemble avec la chaîne, profitez de faire ça kounya même. Et pas oublier, activer la cloche de notification pour capable de recevoir la notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et vidéo ça, pas oublier, likez-le. Vous capable toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!